vous expliquer. Google Plus a fermé aujourd'hui 2 avril ses portes. Google Plus, je rappelle, c'est le réseau social du géant Google. Et par la même occasion, il y a Gmail qui fête également ses 15 années d'existence. Donc, on connaît aujourd'hui Google pour sa diversité de produits. Google s'est vraiment lancé dans presque tout. Navigateur web, services cloud, ils sont déjà moteur de recherche. Et réseaux sociaux, ils ont vraiment essayé de se lancer en termes de réseau social. Mais au final, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas comme ils l'espéraient. Que le marché n'était vraiment pas intéressé par Google+. Parce qu'avec tout ce qui est Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Twitch, Musical.ly, il y a tellement de réseaux sociaux que Google+ n'a pas su s'imposer. D'accord? De la même façon que Chrome a pu s'imposer, de la même façon que Gmail s'est imposé, Google+ n'a pas pu faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait de voir que Google a eu l'humilité de reconnaître que le produit ne marchait pas et de le changer. D'accord? La leçon qui se dégage derrière tout ça, c'est que même si un géant, vous voyez, un géant tel que Google a admis qu'il s'est trompé et que plus la peine de continuer à financer le développement de Google+, ils vont complètement le fermer. Alors, qu'est-ce que vous, en tant que, je dirais, petit entrepreneur débutant, qu'est-ce que vous avez besoin de prouver forcément? Quelle est cette pression que vous avez qui fait que vous dites que vous devez faire le produit parfait, vous dites que il faut forcément que vous attendiez telle ou telle chose pour vous lancer? Non, vous ne devez avoir aucune excuse pour ne pas vous lancer. Vous devez vous lancer maintenant. Et vous allez voir ce que le marché décide. Parce qu'au final, la leçon, c'est que le marché, c'est le roi. C'est pas vous le roi. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent, peut-être que vous avez fait des études, vous avez travaillé à l'extérieur, vous avez assez d'argent, vous revenez en Afrique, vous pensez pouvoir sortir la grosse application. C'est pas ça qui fera de vous quelqu'un, un entrepreneur à succès. C'est ni vos connaissances, ni le fait que vous ayez la meilleure idée ou en tout cas l'idée qui vaut 1 milliard. Non, c'est pas ça, c'est le marché qui décide. Donc lancez-vous, le plus important c'est de vous lancer. Google Plus est fermé, mais aujourd'hui Google Chrome est le navigateur le plus utilisé, Gmail aussi est la messagerie la plus utilisée, sont tous des produits Google. Donc Google s'est diversifié, certains de ses produits marchent, d'autres ne marchent pas. Mais c'est pas ce qui l'empêche de se lancer. D'accord? Donc c'était la leçon que j'avais à vous donner aujourd'hui. Le marché est le roi. Vous devez vous soumettre aux règles du marché. Donc n'attendez pas, lancez-vous. Aucune pression ne sera sur vous. Aucune pression.